Alors, je vais lancer un petit stress test à 100 millisecondes. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai mis le variateur de fréquence en 100 Hz. J'ai mis la carte au niveau des cavaliers sur la position de gauche, donc en 8 bits. La carte aussi est en 8 bits. Voilà. Ça vibre. Bon, j'ai dû mettre un petit peu de. J'ai mis 0,1 en accélération-décélération, puisque sinon j'avais des codes erreurs. J'ai un code erreur COF qui me dit qu'il y a un problème sur le courant. Donc je pense que ça ne doit pas lui plaire. Bon, je pense pas pouvoir descendre plus bas avec ce genre de moteur en fréquence, en vibration. Mais bon, le butt kicker fait un excellent complément pour tout ce qui est vibration. Je m'attendais pas forcément à faire mieux que ça. Mais c'est bien d'avoir des valeurs via le logiciel. Si je change un petit peu les valeurs, après ça décroche. J'ai un phénomène de décrochement et il est plus capable de réagir. Là, je lui ai mis 50, mais c'est pareil, 50 c'est pas viable. 80. Ouais, 80, il commence de perdre un peu les pédales. Alors ça arrive de temps en temps, ce petit message d'erreur là. Donc là, il a pété un câble. Je sais pas, il y a un bug sur le. Il y a un bug sur sur le port série. Je sais pas. Voilà, ça, ben, j'en profite pour le signaler. Du coup, là, ça a déconnecté la carte. Et après, ben là, c'est planté, là, ça réagit plus. La carte est déconnectée au niveau du port série, enfin du port USB. Et là, je pense qu'il va me rester comme solution de tout redémarrer. Mover est en train de fonctionner. Ah, ça y est, il est revenu. Donc là, la carte est déconnectée. Et là, il veut plus la reconnecter. En général, je ferme tout, mais ça repart. Voilà.